L'auteur que nous recevons cet après-midi, que je vais présenter rapidement, je ne pourrai pas dire tout ce qu'il a fait, mais ce sera un petit résumé. Donc, Henri Lopez, un homme qui occupa tour à tour les fonctions de Premier ministre au Congo-Brazzaville, haut fonctionnaire international à l'UNESCO et d'ambassadeur du Congo à Paris. Avec son livre Tribalique, il a été lauréat du Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. La question de la rencontre des cultures est au cœur de la réflexion de cet homme de lettres qui a reçu les distinctions suivantes: le Grand Prix de la francophonie décerné par l'Académie française en 1993, un doctorat d'honneur remis la même année par l'Université de Paris 12 et le titre de docteur honoris causa que l'Université de Laval lui accorda en 2002. Son œuvre comprend Tribalique, Le pleurer rire, Le chercheur d'Afrique, Le lys et le flamboyant, Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres, les Gaulois, Une enfant de Poto-Poto, Le méridional. Donc, Henri Lopez, merci d'avoir répondu à l'invitation de Vibramonde, qui, comme je le disais, chaque année, en automne, reçoit une personnalité pour nous faire une conférence sur ce thème de l'homme de la rencontre à l'œuvre de la rencontre. Mais vous avez préféré ne pas faire une conférence, mais qu'on soit plutôt dans le dialogue. Et j'avais pensé à Boniface Mongo Moussa, ici présent, et qui est un spécialiste de littérature francophone, pour qu'il fasse cet entretien, mais il m'a gentiment poussé, poussé à le faire, donc je vais essayer de me plier à l'exercice. Donc, Henri Lopez, inutile de vous dire bienvenue à Vibramonde, puisqu'à Vibramonde, vous êtes chez vous. Merci, Mariama, de m'avoir invité dans cette coquette ville de Conflans-Sainte-Honorine. Merci à vous, Monsieur Lopez. Donc, la devise de Vibramonde, c'est rencontre et création. Or, qui dit rencontre dit métissage. C'est donc cette devise qui va servir un peu de fil rouge à notre échange autour de ce thème de l'homme de la rencontre à l'œuvre de la rencontre. Les histoires de rencontre sont aussi des histoires de peau. Henri Lopez, vous avez une peau de rêve. Ah bon? Une peau où je vois du blanc, du noir, du jaune, de l'oranger. J'ai envie de vous demander, Monsieur Lopez, de quel désert, de quelle forêt, de quel pays froid ou chaud vient cette peau où le chocolat et le lait, le miel et la cannelle s'entretiennent à voix basse? Alors, je vais vous décevoir parce que je ne pourrai pas répondre à la question, mais c'est peut-être justement cette question des origines et de l'ignorance des origines des métis, notamment de la génération de mes parents, puisque j'avais mon père et ma mère étaient métis. Vous m'entendez parce que en ce moment j'ai une voix un peu paralysée. Vous m'entendez dans le fond de la salle. Merci. Et je vais vous faire une confidence. En ce moment, je suis en train d'écrire mes mémoires. Et ça commence justement par ça, par la recherche des origines de. Au fond, ça s'arrête à mes grands-parents. Au-delà de mes grands-parents, je ne connais pas. Je serais incapable de faire un arbre généalogique. Et certains de mes grands-parents, je ne les ai jamais connus. Non seulement je ne les ai jamais connus,
mais mes parents ne les ont jamais connus. Non pas parce qu'ils sont morts tôt, comme cela peut arriver, mais parce que c'était dans le cadre de l'univers colonial. Les métis de la colonisation, c'est-à-dire mon père, ma mère, avaient sur leur carte d'identité nés de pères inconnus. C'était à demi vrai, parce que ils connaissaient quand même le nom de leurs géniteurs, mais ils ne les ont jamais vus. Alors, la partie qu'on connaît, c'est la partie maternelle. Mais, dans mon cas, la mère de mon père est morte, ma grand-mère maternelle, donc, que je n'ai jamais connue, est morte quand mon père avait moins de 5 ans. Et d'où son nom, qui est, si on avait le temps, je vous expliquerai d'où il vient. Et du côté de ma mère, en revanche, elle n'a pas non plus connu, elle n'a pas le souvenir de son père. Voilà donc d'où cette couleur vient du mystère, et c'est ce qui la rend belle. Ah oui, absolument, on va respecter et préserver ce mystère. Et cette conception du métissage que nous aimons beaucoup à Vibramonde, une conception qui dépasse la barrière des apparences, Simone Fragognard l'a résumée ainsi dans Le Lys et le Flamboyant. « Être métisse, pour moi, ce n'est pas une question de peau. Le métissage, c'est dans la tête. Les métisses, pour moi, ce sont tous les individus dotés d'une âme à deux ou plusieurs cultures, qu'ils soient nègres, blancs ou jaunes. » Et d'ajouter plus loin, par métisse, je n'entends pas seulement les sangs mêlés, qui, comme moi, ont la peau café au lait, ceux-là sont des mulâtres, mais tous ceux qui, comme moi ou vous, monsieur Dien, avec votre peau noire, sont métisses dans leur tête et dans leur cœur. Oui, alors ça, c'est... Je pense dans Le Lys et le Flamboyant. Gardez précieusement ce livre parce qu'il est introuvable maintenant. Ou à des prix scandaleux. Et eh bien, tout est dit là. Je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose. Peut-être, pour vous amuser, je vais vous lire un texte que j'ai écrit et qui s'appelle Métis et qui est tiré de ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois. Alors je vais de cette voix caverneuse essayer de vous la lire. Cette voix qui va vous tenir chaud parce qu'il fait... un peu frisqué dehors. Oui. Voilà. Je suis né dans une ville en forme d'orange. À l'époque, ses maîtres, pour mieux empresser le jus, l'avaient coupé en deux. D'un côté la partie blanche, de l'autre la noire. À la maison, pourtant, la couleur dominante n'était ni l'une ni l'autre. Nous étions nés, comté grand-mère, du mariage de deux gouttes dissipées qui giclèrent lors de la séparation. Une goutte de l'hémisphère noir, une goutte de l'hémisphère blanc. Allez savoir pourquoi le noir et le blanc ne donnèrent pas du gris, mais du marron. Non, me reprenait grand-mère, nous ne sommes ni gris, ni marron, nous sommes métis. Une tribu
sans langue ni mœurs, mais sans laquelle le monde serait privé de soleil. Marron, le mot n'existe pas en lingala. Gris, nous le serions si nous étions des souris. Or, nous sommes une tribu née de l'amour et de la fantaisie, c'est-à-dire de la sagesse. En ce temps-là, je l'ai déjà compté ailleurs, toutes les métisses des deux rives du fleuve Congo étaient mes tantines. Tout était belle, et malgré mon âge, j'étais amoureux d'elles, et promettais de les épouser quand je serai grand. Un jour, en cours de récréation, à la faveur de je ne sais plus quelle dispute, un condisciple, à bout d'arguments, me lança avec une grimace haineuse, café au lait. Était-il daltonien ou souffrait-il d'une indigence de vocabulaire? Car la couleur métisse a mille nuances. Café au lait, peut-être, mais aussi feuilles de cigare, ambre, huile de palme, chair de plantain bouilli, croûte de pain bien cuit, chocolat, pain d'épices, biscuits, caramel, miel clair, miel brun, rhum vieux sapotille, et j'oublie mille fruits succulents de mes climats, dont les noms ne vous diraient rien. Quand un métis, pris par le vin ou l'esprit malin, scandalisait mes tantines des deux rives, elles le traitaient de mulâtre, suprême insulte. À 20 ans, voyant que peu de gens connaissaient le vocable de métis, je me suis dit qu'il ne s'agissait pas d'un état, mais d'une vue de l'esprit. Chacun aurait une identité exclusive de tout autre. Il fallait être blanc ou noir, ou ne pas être. J'ai failli sombrer dans la folie. Désormais, le monde a changé et ne cherche plus le mot métis dans le dictionnaire. Il en use et en abuse et proclame mille sortes de métissage entre les races, entre les cultures, entre les êtres humains, entre les fleurs, entre les idées, entre les musiques, entre les espèces, entre les bêtes, entre les choses. Être métisse est à la mode. Qu'importe, je n'en nourris aucune amertume et ne revendique aucun monopole. Métisse de la frivolité, métisse de la déchirure, métisse de la synthèse, métisse de tous les continents, métisse de toutes les rives des 5 océans et de je ne sais combien de mers. Aujourd'hui qu'ont disparu la plupart de mes tantines des deux rives du fleuve Congo, je vous adopte tous. Vous êtes mes neveux. Et ma grand-mère avait raison. Nous ne sommes plus une tribu, mais le monde en métamorphose, car la communauté, qui se croit pure, possède en fait, dans son histoire, un, deux, plusieurs métissages oubliés. Voilà. Quand on me demande, alors là je parle du métissage non pas pigmentaire, mais culturel, quelle richesse il y a. Alors je dis tout, je réponds en général, c'est que ça m'empêche de faire des gaffes dans chacune des cultures. Quand je suis dans telle ou telle société dont je suis, comment dirais-je, à laquelle j'appartiens partiellement, l'avantage,
sur celui qui n'est resté que dans une culture, c'est que je sais les gaffes à ne pas commettre dans son comportement. J'adore cette façon de voir, ça m'empêche de faire des gaffes. Parce que là, vous exprimez quelque chose que j'ai senti, mais que je n'ai pas pu peut-être exprimer de façon aussi claire, aussi nette, et avec ce brin d'humour. Parce que j'aime à dire, on ne naît pas métisse, on le devient. Et il faut le devenir en se cultivant si on veut devenir un homme de paix. Et l'homme de paix, effectivement, évite de faire certaines gaffes, évite de heurter. La formule de Mariama est parfaite. Ah, moi, je trouve la vôtre... Et comme toute formule parfaite, n'a pas besoin d'être commentée. Alors, dans ma grand-mère bantou et mes ancêtres et les Gaulois, vous dites avoir trois identités, et vous écrivez « Je suis un SIF ». Alors, qu'est-ce à dire un SIF, et en quoi consistent ces trois identités? Alors, point de départ, pour les plus jeunes, je ne sais pas si on parle encore en France des SDF, des sans domicile fixe, et c'est là-dessus que j'ai calqué ce petit jeu de mots. Les SIF sans identité fixe, c'est parce que je développe dans un de mes textes qui est dans ma grand-mère bantou, et je dis que nous avons trois identités. Une première qui est l'identité originelle, celle qu'on n'a pas choisi, qui nous est donné lorsqu'on est né. Et cette identité, pour les gens de ma génération, il a fallu la retrouver. Parce que j'appartiens à la génération qui est née sous la colonisation. Et sous la colonisation, on disait que le noir n'avait pas d'histoire, n'avait pas de culture, n'avait pas de civilisation. Et la grande transformation vient avec le grand coup de poing, je dirais, avec le mouvement de la négritude qui prend ce mot « nègre » qui était une injure. Et dans le mouvement de la négritude, on dit « eh bien, nègre pour moi n'est pas une insulte, mais un titre de gloire. » Et donc cette identité, il faut la retrouver. Et la forger. Et c'est toutes les recherches sur l'histoire de l'Afrique, sur ses cultures, etc. Et je crois que, sous une autre forme, la question est toujours d'actualité, aujourd'hui. Mais si on en reste à cette identité originelle, on peut devenir un xénophobe. Alors, le xénophobe, vous allez dire « Ah, je vois, c'est le raciste ». Oui, c'est le raciste, mais ce n'est pas aussi le raciste. Chez ceux qui ont subi les méfaits du racisme, on trouve aussi ces formes de xénophobisme. C'est-à-dire, si je reste dans mon identité originelle, celui qui est de l'autre côté de la rivière, qui est de l'autre côté de la montagne, qui n'a pas les mêmes tatouages que moi, qui ne parle pas la même langue que moi, qui n'a pas les mêmes coutumes que moi, eh bien, c'est un étranger, un ennemi. Et on sombre à ce moment-là dans le tribalisme. Et le grand drame à ce sujet, c'est celui que vous connaissez du Rwanda. Et à ce propos, je vous invite à lire un livre qui vient d'être primé récemment de Gaël Faye. C'est bien.
Petit pays. Petit pays, oui. Mais c'est bien Gaël Faye. Oui, tout à fait. C'est un... Vous verrez, c'est un livre merveilleux sur tous ces points. Et alors donc, il faut que j'aille vers l'autre. Et c'est d'où ma deuxième identité, mon identité internationale, qui fait que je suis, je trouve chez d'autres qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, qui ne parlent pas la même langue que moi, qui n'ont pas la même culture que moi, je trouve chez eux des points d'identité qui sont plus proches que ceux de certains membres de la famille. C'est ce que j'appelle mon identité internationale. Et puis, j'y ajoute une troisième identité, mon identité personnelle. Parce que je suis semblable à personne, même pas au sein de ma famille, même si j'ai un frère ou un jumeau ou une sœur jumelle. On n'a pas là les mêmes, comment appelle-t-on ça déjà, les mêmes empreintes digitales. Et on a des différences. Et ça, c'est la troisième identité. Et alors je dis que ces trois identités, ces trois appartenances sont comme des cornes, des cordes d'une guitare. Il faut jouer avec les trois cordes. Quelquefois, pour des raisons d'harmonie, on n'utilise que deux cordes, mais on n'oublie pas qu'il y a une troisième. Et si jamais une corde se casse, alors c'est la catastrophe. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. J'ai répondu un peu longuement. Mais j'aime bien votre réponse, puisque vous finissez sur une note musicale et à Vibramonde, on aime bien les belles vibrations, donc c'est parfait. Mais je vais continuer à vous embêter un peu, puisque vous avez osé... Vous m'embêtez de manière très agréable. Vous avez osé forger le mot « Okni ». Et vous dites... Mot. Okni, les métis sont des Okni. Peut-on lire dans votre roman Le Méridional? C'est quoi ça? Okni. Ovni. Non, c'est pas Ovni, c'est Okni que vous avez écrit. Orni, un objet. De couleur, je vous souffle un peu. Un objet de couleur non identifié, de c'est vous qui l'avez écrit. Oui, oui. Mais vous savez, l'auteur que je relis le moins, c'est moi. Mais vous avez quand même osé écrire ça, Okni. Où allez-vous chercher ça? Ah ben, c'est même pas moi, c'est un personnage qui le trouve. Soit. Donc, le métissage apparaît dans votre œuvre comme voie de contournement. Contournement d'une vision stéréotypée et manichéenne qui aurait tendance à fixer soit sur le noir, soit sur le blanc. Le métissage que vous représentez, c'est de n'avoir comme une ligne médiane susceptible d'aller davantage dans la densité des choses, dans la complexité des êtres. Une enfant de Poto-Poto illustre justement parfaitement cela, notamment avec le personnage de Franceschini, qui est un métis à la peau blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, qui parle la langue du pays et sait danser la rumba comme personne. Par rapport à cette non-fixité de l'identité, vous soutenez ceci dans ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois. Ce n'est pas trahir la négritude que de déclarer africain des hommes à la peau blanche, c'est reconnaître la complexité de la réalité, car l'Afrique n'est pas une race, elle est plus qu'un simple continent. L'origine des malheurs du monde, c'est la simplification. Trouver les choses simples, mettre les gens dans des cases, on ne se fatigue pas. Essayer de, comment dirais-je, de caricaturer les choses. Malheur que
la vie, c'est la complexité. C'est la complexité, tout est complexe. L'univers autour de nous, l'atmosphère, mais nous-mêmes, à l'intérieur. Mais le métis c'est... que vous représentez devient du coup représentatif de cette complexité. Oui. Sorte mais, de symbole, mais, de, mais une crois, invitation à... Mais je crois que ce n'est pas propre au métis. Oui, certain. La complexité, c'est l'état de tout être humain. Mais peut-être que le métis a l'occasion de l'exprimer, justement parce qu'il peut avoir l'impression d'être assis entre deux chaises. Et je crois, je dis toujours que... vous savez, il y a plusieurs générations de métis. Il y a les premières générations qui étaient celles de mes parents, en général, de père européen et de mère africaine. Et puis ensuite, il y a eu des métis, de métis et métis. Et puis il y a eu des métis de père africain et de mère européenne. Il y a quelques semaines, un photographe et journaliste, oui, notre photographe, hein, il est là, et vient me... Photographe, réveillez-vous. Vient, Ibrahima, je parle des photographes ce soir, et alors, il vient me voir, il me fait des photos de moi, il m'interviewe. Et puis à la fin, quand c'est fini, je lui offre à boire et on part. Et il n'est pas métis d'apparence. Et en plus, il a un nom bien marqué, camerounais. Et on parle et je lui dis, où êtes-vous né? Il me dit, à Paris. Voyez le changement. Quand on voit un noir, on dit il est né à Djibouti, à Boboyoulasso, ou bien à Gao, ou bien dans la forêt équatoriale. Mais il est né à Paris. Et il me parle de son père qu'il a peu connu. Enfin, lui, il l'a connu quand même. Mais je connais d'autres cas où ils sont exactement dans le cas inverse de mon personnage du chercheur d'Afrique. Le chercheur d'Afrique, c'est l'histoire d'un métis qui vient d'Afrique et qui recherche son père et qui finit par le retrouver sans en être sûr, et qui finalement le tue. Il le tue non pas avec une arme, mais par la situation dans laquelle il le met. Mais aujourd'hui, la situation est inversée. Vous avez des métis qui ne connaissent pas, qui recherchent leur père africain. Et puis surtout, le plus important, il y a des métis de différentes couleurs. Ils sont noirs, ils sont blancs, ils sont café au lait, ils sont jaunes. Des gens qui se sont trouvés dans des situations où ils sont par exemple par leur nom rattachés à une culture qu'ils ne connaissent pas, à une langue qu'ils ne connaissent pas, et ils ont vécu dans une autre. Et donc, c'est un peu tout ça que j'essaye d'exprimer dans mes romans. Mais ce sont des romans, ce ne sont pas des livres théoriques, rassurez-vous. Vous n'allez pas vous casser la tête. Ce ne sont pas des ouvrages de sociologie, de philosophie.
ce sont des histoires. Mais ce sont des histoires qui sont peut-être plus réelles que les histoires réelles. La langue maternelle du colonisé que le colonisateur interdit de parler à l'école, puisque la hiérarchisation raciale est sous-tendue aussi par une hiérarchisation des langues, le métis que vous représentez pendant cette période se veut possesseur des deux langues, de la langue des deux bords, celle du dominé et celle du dominant. Donc, oui. Encore une fois, ce refus de la simplification, ce désir de s'approprier de sa complexité. Oui, et comme je vois beaucoup de jeunes dans la salle, et de moins jeunes, je dis aux jeunes, ne vous laissez pas enfermer dans une seule langue. Parce que moi, gosse, je parlais trois langues africaines, plus le français. Mais je n'avais pas un talent particulier. Je n'ai pas appris ces langues avec une grammaire, avec une... en étudiant la syntaxe, etc. C'était des questions de vie ou de mort. Parce que ma grand-mère, qui ne savait ni lire ni écrire, était pentalingue, c'est-à-dire qu'elle parlait cinq langues. Et pourquoi ? Parce que dans l'Afrique traditionnelle, lorsque vous faites 30 kilomètres ou 50, vous changez de langue. Et donc automatiquement, pour vivre, pour échanger, on apprend la langue de l'autre, la langue du voisin. Et c'était un avantage. Par exemple, quand mes parents voulaient que j'apprenne le latin, j'ai fait la grimace à l'école. Et puis, j'y ai découvert un jeu. Parce que j'avais compris, avant mes condisciples français, que parler une autre langue, c'est pas traduire. C'est on entre dans une autre langue. Et qu'il y a des fois, on ne peut pas traduire. Ou qu'il faut traduire autrement. Et donc, aujourd'hui, ceux qui se trouvent ici, c'est peut-être pas nos langues d'Afrique qu'il faut apprendre, mais les langues du monde. Et alors là, on rejoint quelqu'un que vous avez cité tout à l'heure, c'est Glissant, qui parle de tout le monde. Et effectivement, il faut, je crois que... vous entendez parler de globalisation, etc. Mais vous n'avez pas le choix. Les nouvelles générations, ou si vous êtes plus âgés, vos enfants, apprenez-leur ou donnez l'occasion d'apprendre le plus de langues possible. Parce que nous allons dans un monde où il faudra changer de métier. Plusieurs fois dans sa vie. Et il faudra, par exemple, aussi aller chercher le métier ailleurs, puisqu'il y a de moins en moins de visas. Pourquoi ne pas aller chercher? Je prends un exemple ici, dans la salle, dans ce que je connais. Ma compagne Christine, qui est là, malgré les apparences, elle est d'origine guinéenne. Mais elle a un fils qui est aux États-Unis, qui vit dans la langue américaine et qui essaye d'apprendre le français à son fils. Donc, c'est des situations qui vont être de plus en plus nombreuses. Vous n'allez plus vivre dans le même village que vos petits-enfants. Et il ne faut pas faire y trouver un drame. Si vos petits-enfants sont heureux,
en Alaska, au Cambodge, en Chine ou au Pérou. Il faut les laisser. Et il faut garder cela. Donc, je me suis peut-être éloigné de votre question, mais le multilinguisme est quelque chose de fort. Je terminerai en disant que les anciens Africains, puisque nous sommes des anciens Africains, même Boniface qui est en face de moi, j'ai... Qui a fait littérature russe, hein, entre mais autres. C'est justement, j'allais y venir, c'est-à-dire au Congo et dans beaucoup de pays africains, on a envoyé nos étudiants dans le monde entier. Je n'ai jamais connu un cas d'un étudiant africain qui a raté ces étudiants-là, qui les ont ratés dans tel ou tel pays pour la question de langue. Il y en a qui l'ont raté parce qu'ils n'ont pas étudié, parce qu'ils ont eu des difficultés, ils n'avaient plus d'argent pour poursuivre leurs études. Tout ça, mais jamais pour des questions de langue. Tout de suite, ils se sont immergés dans le bain des autres langues. Et voilà, je ne sais plus ce que... Alors, je vais vous faire une confidence. Si je vous disais que l'homme qui tient la caméra là, le blanc qui tient la caméra là, il parle bambara et il est féru de philosophie bambara. Et quelque part, peut-être même qu'il est plus africain que nous. Mais ça ne m'étonne pas. Et c'est possible, tout comme il y en a qui parlent le lingala, et qui parlent le lingala mieux que moi. Et c'est vrai, vous avez raison d'attirer ça, l'attention là-dessus. Et c'est ça le monde. C'est nouveau. Le monde, voilà. C'est le monde nouveau. Oui, oui, oui. Donc, si dans votre œuvre, Henri Lopez, le métis est dépeint comme inclassable, il se manifeste aussi comme le symbole de l'incontrôlable, dans la mesure où il échappe à une chape de plomb destinée à maintenir une certaine tradition, un certain ordre, etc. Et lorsque vous représentez un métis en pleine période coloniale, c'est-à-dire une période où il y a le fameux code de l'indigénat qui proscrit les couples dominos, une période où est créé un apartheid entre quartier des Blancs et quartier autochtones, ce que vous représentez parfaitement dans vos romans, eh bien, dans un tel climat, le métis devient pratiquement l'expression d'une transgression. Il est comme une sorte de figure rebelle, non? Dans la société coloniale, c'était une transgression. Aujourd'hui, plus. Je voudrais vous conseiller, ceux qui sont intéressés par le problème, un film DVD qui est de quelqu'un qui l'a exprimé avec plus de force que moi, parce que le cinéma permet de dire plus que le roman. C'est Sarah Bouillin dans un DVD difficile à trouver aujourd'hui, mais qui s'appelle Les Enfants du Blanc. Et c'est quelque chose qu'on regarde, il est difficile de ne pas pleurer quand on le regarde. C'était quelque chose de poignant, c'est un témoignage poignant. Alors, dans ma grand-mère Bantou et mes ancêtres les Gaulois, j'adore ce titre, vous écrivez: j'avais beau m'échiner à prouver que mon long séjour en métropole ne m'avait pas fait oublier le parler des ancêtres, dès que nous l'utilisions, ma grand-mère devenait Socrate et moi analphabète. Et dans Une enfant de Poto-Poto, il est dit ceci à propos de la mère de Pélagie: analphabète, elle avait un sens inné de la philosophie. Non, Socrate, Diogène,
et Confucius ne sont pas morts. Je les ai rencontrés à Bakongo et à Potopoto. Ce sont des femmes, des noirs. Fin de citation. Parce que nous, quand nous lisons Socrate ou Platon, et qu'on réfléchit bien, on se retrouve chez nous. Prenez tout, même la dramaturgie grecque ancienne. Changez, peignez les gens en noir, les maisons, mettez-leur la couleur de la latérite, et vous retrouvez ce qui se passe chez nous. Et il ne faut pas oublier que Socrate n'a jamais écrit une ligne. C'est son disciple, Platon, qui le fait parler. Jésus-Christ n'a jamais écrit une ligne. Ce sont ses disciples qui vont l'écrire. Les philosophes peuvent donc être analphabètes. Ça ne veut pas dire ignorant. Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha étaient des analphabètes. Et quand je dis que j'ai retrouvé effectivement d'abord les femmes plus que les hommes, parce que souvent, moi j'ai trouvé, c'est chez ma grand-mère, chez la mère d'un tel, etc. Vous trouvez des femmes qui s'expriment avec un sens du... Qu'est-ce que c'est la philosophie ? C'est porter le regard sur la vie et sur les choses et se poser des questions et trouver des réponses. Et donc, il y a des analphabètes qui ont, parce qu'ils sont intelligents, être lettré, alphabétisé, n'indique pas automatiquement que vous êtes intelligent. Mais là, il est question de l'intelligence de la langue. Une langue qui permettrait d'aller dans les profondeurs de la philosophie. Et d'après ce que vous dites, c'est pour ça que j'ai cité ces deux passages. Alors, peut-être qu'il s'agit du Lingala. Vous parlez de votre grand-mère qui devient Socrate. Elle devient Socrate parce que quand je parlais avec elle en français, je sentais l'analphabète. Mais quand on parlait en Lingala, alors c'est moi qui perdais pied. Et parce que elle avait la connaissance de tradition, de culture, etc., que moi je n'avais pas. Et là je dirais, comme Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop disait, quand on lui disait, ah mais on ne pourra pas étudier les mathématiques avec le Wolof, avec le Lingala, avec le Swahili, tout ce que vous voudrez, le Bambara. Et Cheikh Anta Diop, vous savez ce qu'il répondait ? Il répondait, une langue se forge et se développe selon les besoins. Et il prenait des exemples. Il disait par exemple, prenez quelque chose d'abstrait, comme les mathématiques. Et il y a des concepts mathématiques qui sont en fait, qui sont des concepts apparemment abstraits, mais pour lesquels on utilise des mots qui sont concrets. Et les exemples qu'il prenait, c'était la corde en géométrie, l'arc. Et il disait, ben, on a des cordes. Et on sait comment dire la corde dans nos langues. On sait comment dire l'arc. Et il dit, ainsi, si on travaille nos langues, elles seront capables. Et je crois que sur ce point, je n'ai pas toujours été d'accord avec Cheikh Anta Diop, notamment selon ses parties historiques. Mais dans ce genre de raisonnement, il avait parfaitement raison.
Alors, Senghor, on va rester dans le pays de Cheikhanta Diop. Senghor, le poète président, est devenu un personnage littéraire puisque moult auteurs l'ont représenté dans leur fiction. Et il est évoqué dans Une enfant de Poto-Poto. Donc, je ne vais pas oser vous demander de l'imiter parce que quelqu'un m'a soufflé que vous imitiez très bien Senghor. Je vais juste vous demander ce que vous pensez de cet auteur qui est un grand penseur du métissage. Est-ce qu'il vous a influencé aussi ? Senghor, tout à l'heure je le disais, la négritude est quelque chose d'important. Nous tous qui écrivons les romanciers africains d'aujourd'hui, nous devons une reconnaissance à Senghor et Césaire, parce que ce sont eux les premiers qui nous ont fait comprendre que on pouvait, on devait écrire. Auparavant, ceux qui écrivaient, avant nous, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils imitaient. Ils imitaient le mouvement des Parnasses, etc. Et eux, les premiers. Donc, je ne développe pas. Il faut boire. Ce sont des hommes, imaginons qu'ils ont aux mamelles de Senghor et de Césaire. Et puis, sur le plan humain, Senghor, il avait quelque chose. Alors, aujourd'hui, c'est facile. Tout ce que nous faisons, c'est facile. On bénéficie de la liberté d'opinion, du moins sur un territoire comme celui-ci. Mais à cette époque-là, c'était risqué ce qu'il faisait. C'était un pari. Donc, quelles que soient étaient les insuffisances qu'ils auraient pu avoir, il faut recadrer les choses, les remettre dans leur temps. Et de ce point de vue, alors Senghor, c'est un géant. Voilà. Rencontre et création, c'est sûrement aussi la rencontre du féminin et du masculin. Et je me demande d'où vous vient cette capacité, Henri Lopez, à entrer dans la peau d'une femme quand vous écrivez. Cela est manifeste dans Une enfant de Poto-Poto, où l'on sent que vous épousez parfaitement les contours de la psychologie féminine. Et on en oublierait presque que c'est un homme qui est l'auteur de ce roman. Non, une femme. Que c'est un homme qui est l'auteur. Pardon. Ça y est, je vous dis que vous êtes parfaitement dans la psychologie. Je l'ai fait dans deux romans. Une enfant de Poto-Poto et sur l'autre rive. Hein, c'est sur l'autre rive. Eh bien, je ne sais pas. J'ai essayé, mais je crois que ce n'est pas un exploit. Parce que de femmes ont écrit des romans où elles mettaient des hommes. Et ça ne nous gênait pas. Et alors peut-être, je dois dire que j'étais sensible à la femme en tant qu'être humain pour plusieurs raisons. D'abord, dans mon propre environnement, le plus intime, ma grand-mère, n'a eu que trois filles. Ma mère a eu trois filles et un seul garçon, c'est moi. Mais moi, j'ai commencé par avoir trois filles et après un garçon. Donc, j'ai toujours vécu dans cet univers. La deuxième raison, c'est que j'ai beaucoup lu un auteur français qui s'appelle Louis Aragon. Et qui met l'accent sur la femme. Et
Donc j'étais influencé par ça. Ça m'emmenait à porter un regard. Et alors j'ai découvert à ce moment-là que dans mon pays, je ne sais pas comment c'est au Sénégal, où je le sais moins bien, mais au Congo, si les Congolais ont survécu, c'est grâce à la femme. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, c'est la femme qui cultivait la terre. Il n'y avait pas de paysans dans le monde bantou d'Afrique centrale. Il n'y avait que des paysannes. L'homme faisait ce qui était dangereux et difficile, la guerre, la chasse. Et il en profitait pour dire qu'il ne fallait pas qu'il travaille la terre. J'ai un de mes amis, une fois, il était directeur des statistiques au Congo, et il va dans un village, et puis il voit des hommes sous l'arbre à palabre qui étaient en train de bavarder et de ne rien faire. Et puis, il va vers eux, il dit, vous n'avez rien à faire. Ils disent, mais non, monsieur, on ne peut rien faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de travail à faire ici. Et il dit, mais je ne vois pas de femmes dans le village, où sont-elles? Ah, elles sont au champ. Alors il dit, et vous dites qu'il n'y a rien à faire. Donc, mais je cite le cas du Congo, parce que c'est allé très loin. Vous savez qu'au Congo, il y a peut-être des Congolais dans la salle, mais ceux qui ne sont pas Congolais doivent savoir que notre pain, c'est le manioc. Le manioc mangé d'ailleurs sous forme de chikwang, pas comme en Afrique de l'Ouest, sous forme d'acheke. Eh bien, comme c'est la femme qui produisait le manioc et que à un certain moment, on a développé l'enseignement. Le Congo avait 100% de taux de scolarisation, garçons et filles. Les filles allant à l'école se sont rendues compte qu'elles n'avaient rien à envier aux garçons, parce qu'elles étaient aussi bonnes que les filles ne sont plus allées au champ. Et dans les années... je ne veux pas dire de bêtises, dans les années 70, je me souviens d'un conseil des ministres où le ministre de l'Agriculture faisait remarquer que le pain de blé importé d'Europe était moins cher que le pain de manioc fabriqué sur place. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de paysannes. Donc, il faut leur rendre hommage aux femmes. C'est pour toutes ces raisons-là. Et c'est ce qui m'a poussé dans mon œuvre, quelquefois avec maladresse et de manière grossière, à donner de l'importance aux femmes. Votre œuvre est une terre de rencontres et créations. Rencontres et créations entre français classique et parfois... ici et là, un français congolisé, rencontre entre identités, rencontre entre disciplines, et j'ai remarqué que le récit ouvrait parfois des lucarnes sur l'histoire, la sculpture, la peinture, la linguistique, la photographie, le cinéma, la danse, la littérature de différents auteurs que vous citez, et la musique, cette fameuse musique, avec cette fameuse rumba congolaise que je crois être nourrie de différents ailleurs, donc qui est quelque part une musique du métissage aussi. Et pourquoi cette rumba congolaise qui traverse qui serpente dans vos romans et qui crée comme une sorte d'espace-temps ? Parce que c'est la musique que je connais le moins mal.
Je ne me contenterai pas de... Pardon. Je ne me contenterai pas de cette réponse. Vous aimez la Rome. J'ai l'impression que vous avez une passion Alors, pour la rumba. Mes livres, vous l'avez bien compris, à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, ici ou là, à propos de tel ou tel sujet, que mes sources et inspirations, elles sont mondiales. Elles ne sont pas simplement africaines. Peut-être qu'au bout du compte, je lis plus de non-africains que d'africains. Mais je me dis, et je remercie les Senghor, les Guy Tyrolien, les Césaire, etc. Je me dis, il faut que mes livres ressemblent à... J'ai un passage d'ailleurs que je peux vous lire. Il faut que mes livres ressemblent à notre univers qui n'y était pas. Pourquoi ? Parce que si je veux justement que les Africains lisent, il ne faut pas qu'ils soient trop dépaysés. Vous savez, au Congo par exemple, la première fois de notre génération qu'une troupe est venue à Brazzaville et a joué Molière avec des perruques, des habits, etc. Le public, il ne suivait pas, là. Il éclatait de rire de voir ces gens avec ses cheveux comme ça, etc. Et donc, c'est important. Ça vous emmène à vous projeter plus facilement dans les œuvres que vous regardez, qu'elles soient littéraires, etc. Si les personnages vous ressemblent, s'ils ont des cheveux crépus comme vous, s'ils ont plein de détails, si ceux qui mangent, si le climat. Et donc, c'est ce qui m'emmène à faire entrer. Et la musique est l'une des... Et les accents. J'écris pour introduire dans l'imaginaire du monde des êtres, des paysages, des saisons, des couleurs, des odeurs, des saveurs et des rythmes qui en sont absents. Pour dire au monde des quatre saisons, celui des saisons sèches et des pluies. Pour dire au ciel de la grande ours, celui de la croix du sud. Voilà. Et alors, la rumba fait partie de ce monde des deux saisons et de la Croix du Sud. Être diplomate fait forcément de vous un homme de la rencontre. Est-ce que dans ce métier de diplomate, il y a des rencontres qui ont pu nourrir votre œuvre ? Qui ont pu nourrir votre œuvre ? Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont inspiré ? Ou qui ont influencé votre œuvre? Bon, des circonstances de la vie. Qu'est-ce qui inspire une œuvre chez un écrivain? C'est ce qu'il voit. Et c'est ce qu'il voit et que les autres ne voient pas. Et donc, je vous répondrai oui, mais pas plus que la vie quotidienne la plus simple, n'est-ce pas, m'ont inspiré. Et puis surtout, dans mes romans, vous verrez qu'il y a peu de descriptions. C'est de la vie intérieure des personnages que j'essaye de faire valoir. D'ailleurs, dans le bout de texte que je viens de vous lire, si j'avais continué, je vous dirais que l'Afrique que j'ai décrit n'est pas celle des géographes, n'est pas celle des sociologues, mais chaque fois de mon Afrique intérieure. Parce que
j'y mêle, tout cela passe à l'étamine de ma propre sensibilité, de ma propre culture. Et peu importe que je fasse des erreurs, que je me trompe sur tel ou tel dans mes descriptions, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et c'est ce qui se passe dans le cœur, les entrailles et les reins des personnages. Alors, moi, ce qui se passe dans le cœur et les entrailles des personnages, j'ai un personnage qui m'a particulièrement intéressée. C'est le personnage du dictateur dans Le Pleur et Rire. Et je me demande, est-ce que c'est un personnage réel qui vous aurait inspiré Mais des personnages. Parce qu'on a connu tellement de dictateurs en Afrique que je me dis peut-être qu'il y en a un qui vous a... C'est un mélange de plusieurs personnages et d'autres plus équilibrés. Bon. J'ai envie de finir sur deux citations que je vous demanderai de commenter. L'oncle Mobeko, un personnage du lycée du Flamboyant, dit ceci: toute civilisation est née d'un métissage oublié. Vous l'attendiez, hein, celle-là. Toute race et variété de métissage qui s'ignore. Et vous-même, vous déclarez dans Ma grand-mère bantoue et mes ancêtres les Gaulois: car la communauté qui se croit pure possède en fait dans son histoire un, deux, plusieurs générations oubliées. Oui. Je pouvais finir qu'avec ça, puisque à Vibramonde. Et moi, je terminerai en vous remerciant de mettre en valeur ces phrases, parce que je pense qu'elles sont importantes et qu'elles ne méritent pas de commentaires, mais elles ont été écrites pour pousser à la réflexion celui qui les lit. Merci beaucoup, Henri Lépesse. Thank you.